profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Quelque chose passe en sifflant devant ma maison tous les soirs à 3h03. Tous les soirs, quel que soit le temps, quelque chose marche dans notre rue en sifflant doucement. On ne peut l'entendre que si l'on se trouve dans le salon ou la cuisine au moment où il passe, et il commence toujours à 3h03 précise. Le son commence faiblement, quelque part au début de la rue, près de la place Carson. Nous sommes vers le milieu de la rue, donc le sifflement passe devant nous avant de s'estomper en direction de l'impasse. Quand j'étais plus jeune, ma sœur et moi nous faufilions dans la cuisine certains soirs pour écouter. Maman et papa n'aimaient pas ça, et nous aurions eu droit à l'enfer s'ils nous avaient trouvés là. Mais ils n'ont jamais été trop durs avec nous, car nous nous en tenions toujours à la seule grande règle. Ne pas essayer de regarder ce qui sifflait. Mon quartier est un drôle d'endroit. J'y habite depuis l'âge de 6 ans et je l'adore. Les maisons sont petites mais bien entretenues, les cours sont grandes et il y a beaucoup d'endroits où se promener. Il y a beaucoup d'autres enfants de mon âge. J'ai eu 13 ans en octobre. Nous avons grandi ensemble et nous jouions toujours à quatre dans le cul-de-sac où nous nous promenions d'un porche à l'autre en été. C'était un endroit où il faisait bon grandir. Je suis assez vieux pour le constater. Et il n'y a que deux choses étranges ici. Le sifflement nocturne et la chance. Le sifflement ne m'a jamais dérangé. Comme je l'ai dit, je ne l'entendais même pas de ma chambre. Mais papa et maman n'aiment pas en parler, alors j'ai arrêté de poser des questions. Mon père est un homme fort, grand et calme. Il a un accent depuis qu'il a déménagé aux États-Unis quand il était enfant. Sa famille, mes grands-parents, viennent des îles. C'est comme ça qu'il l'appelle. Mon père, la seule fois où il n'est pas aussi calme, c'est quand le siffleur arrive. Il parle alors un peu plus vite, ses yeux bougent plus vite, et il nous dit de ne pas trop y penser et de toujours nous souvenir de la seule règle, la grande règle, ne pas essayer de regarder dehors quand le siffleur passe. Non pas que nous puissions regarder, même si nous le voulions. Il y a des volets à l'intérieur de chaque fenêtre, d'épais morceaux de toile lourde qui descendent du haut et se fixent au bas de chaque cadre de la fenêtre. Chaque verrou est muni d'une petite serrure, de la taille d'un agenda. Mon père ferme ses volets tous les soirs avant que nous allions tous nous coucher et garde la clé dans sa chambre. Ma mère... Je ne sais pas ce qu'elle pense du sifflement. Je l'ai déjà vue dans le salon à 3h03 quand le son commence. Je pourrais la voir si j'entrouvrais ma porte pour jeter un coup d'œil. Elle n'est pas souvent dehors, du moins, je ne l'ai pas souvent surprise, mais une ou deux fois par mois, je pense qu'elle s'assoit sur notre grand canapé rouge et qu'elle écoute. Le siffleur joue toujours la même mélodie tous les soirs. C'est joyeux. Vous vous souvenez que j'ai dit qu'il y avait deux choses bizarres dans l'endroit où j'habite? Eh bien, à part notre siffleur nocturne, tout le monde dans mon quartier a vraiment de la chance. C'est difficile à expliquer et papa n'aime pas trop qu'on en parle, mais il semble que les bonnes choses arrivent souvent aux gens d'ici. En général, il s'agit de petites choses comme gagner un concours radio, obtenir une promotion inattendue au travail ou trouver des pointes de flèches enterrées dans le jardin. Vous savez, le genre de choses authentiques. Il fait plutôt beau, il n'y a pas de criminalité et les jardins de tout le monde fleurissent à l'automne. Un million de petites bénédictions, a dit ma mère à propos de la vie ici. Mais la principale raison pour laquelle nous restons ici, pour laquelle nous avons déménagé, c'est ma sœur, Nola. Elle est née très malade à cause de ses poumons. Nous n'avons même pas pu la ramener à la maison quand elle est née, nous n'avons pu lui rendre visite qu'à l'hôpital. Je me souviens qu'elle était si petite, même par rapport aux autres bébés. Une machine devait respirer pour elle. Nous avons emménagé dans notre maison pour nous rapprocher de l'hôpital. Dès que nous avons emménagé ici, Nola a commencé à aller mieux. Les médecins n'arrivaient pas à comprendre. Ils mettaient cela sur le compte de ce qu'ils faisaient, mais nous pouvions tous voir qu'ils étaient désorientés. Mes parents et moi, en revanche, savions que l'amélioration de Nola n'était qu'une autre petite bénédiction parmi les millions que nous avons eus en vivant dans notre quartier. C'est pourquoi nous sommes restés, même après avoir découvert que, pour chaque petit miracle qui se produit ici chaque jour, de temps en temps, de mauvaises choses se produisent. Mais elles n'arrivent que si l'on cherche le siffleur. Notre quartier a un comité d'accueil. Il se présente avec des macaronis, un papier cadeau et un dossier manille chaque fois que quelqu'un emménage.
Ils sont très sympathiques. 4 personnes se sont présentées lorsque nous avons emménagé il y a 7 ans. Le comité a fait la causette, m'a donné une barre Snickers et a pris Nola dans ses bras à tour de rôle. C'était la première semaine qu'elle sortait de l'hôpital, alors ils ont fait très attention. Ensuite, le comité a demandé à parler à mes parents en privé. On m'a donc envoyé dans ma chambre, où j'ai réussi à entendre presque tous les mots. Le comité d'accueil a expliqué à mes parents à quel point le quartier était agréable, vraiment exceptionnel, difficile à expliquer. Puis ils ont parlé à mes parents du sifflement, encore plus difficile à expliquer, qui se produisait tous les matins à 3h03 et se terminait à 3h05. Le groupe, nos nouveaux voisins, a prévenu mes parents que le sifflement était silencieux, qu'il ne nous ferait jamais de mal à condition que nous ne cherchions pas à savoir ce qui produisait le son. Ils ont insisté sur ce point et j'ai écrasé mon oreille contre la porte pour essayer de mieux les entendre. Les gens qui partaient à la recherche du siffleur voyaient leur chance tourner, parfois de façon tragique. Un nuage noir planait sur tous ceux qui cherchaient. Tout ce qui pouvait aller de travers allait aller de travers. L'enveloppe manille apportée par le comité contenait des coupures de presse, des histoires d'accidents de voiture et de vies gâchées, de morts publiques et d'accidents bizarres. J'ai entendu le chef du comité dire à mon père « Tout le monde ne meurt pas, mais ils perdent la vie. Même s'ils vivent, il n'y a plus de lumière en eux, plus de présence. » Ma mère, je voyais bien qu'elle ne prenait pas ça au sérieux. Elle n'arrêtait pas de demander s'il s'agissait d'une farce que l'on fait aux nouveaux voisins. À un moment donné, elle s'est mise en colère, a accusé le comité d'essayer de nous faire fuir de notre nouvelle maison, leur a demandé s'ils étaient racistes parce que mon père était originaire des îles. Mon père l'a calmé, lui a dit qu'il voyait que nos nouveaux voisins étaient sincères et qu'ils essayaient simplement de nous aider. Il a expliqué que sa mère lui avait raconté ce genre d'histoire en grandissant et qu'il savait que des choses étranges se promenaient parmi nous. Certaines de ces choses étranges étaient bonnes et d'autres mauvaises, mais la plupart étaient simplement différentes. Après le départ du comité, mon père s'est rendu à la quincaillerie, a acheté des stores en toile, des loquets et des serrures et les a installés sur toutes les fenêtres de la maison après le dîner. Cette première nuit, dans notre nouvelle maison, je me suis glissée hors de ma chambre à 3h du matin et j'ai trouvé mon père réveillé, assis dans le canapé du salon, tenant ma petite sœur dans ses bras. Mon père a levé le doigt en signe de silence, mais a tapoté le canapé à côté de lui. Je me suis assise et nous avons attendu. À 3h03 exactement, nous avons entendu le sifflement. Il est venu et il est reparti, comme l'avaient dit nos voisins. Le sifflement revient chaque nuit, nous ne regardons jamais et nous apprécions chaque jour nos millions de petites bénédictions. Nola respire toute seule et elle est devenue une fille forte et intelligente. Mon père a même rejoint le comité d'accueil. Nous n'avons pas souvent de nouveaux voisins. Pourquoi quelqu'un voudrait-il partir? Mais lorsqu'une nouvelle famille emménage, mon père et le comité lui apportent des macaronis, un panier cadeau et un dossier. À l'expression du visage de mon père lorsqu'il revient, je peux toujours dire si la famille a pris le comité au sérieux ou si nous aurons à nouveau de nouveaux voisins très bientôt. Il y a peu de temps, une famille a emménagé juste à côté de chez nous. L'ancienne propriétaire, Madame Maddy, est décédée à l'âge de 105 ans. Elle avait vécu une belle et longue vie. Nos nouveaux voisins avaient l'air de bien s'intégrer. Ils croyaient au comité d'accueil et ont suivi les conseils de mon père concernant les volets verrouillés puisqu'ils avaient eux-mêmes un jeune enfant. Quelles que soient les coupures de presse contenues dans cette enveloppe, quelles que soient les preuves, mon père ne nous a jamais permis de les voir. Mais j'imagine qu'il a dû être très convaincant puisque nos voisins se sont entendus sans problème pendant le premier mois. Un soir, lorsque nos nouveaux voisins ont dû quitter la ville, ils ont envoyé leur fils, Holden, chez nous. Il avait 12 ans, un an de moins que moi à l'école. Je ne le connaissais pas beaucoup avant ce soir-là, mais dès que ses parents l'ont déposé après le dîner, j'ai su qu'il allait passer un mauvais moment. « Tu sais qui est toujours dehors en train de siffler tous les soirs ?» demanda Holden dès que les adultes eurent quitté la pièce. Nous étions tous les trois assis dans la salle de séjour, un film de Disney passant tranquillement à la télévision. Ma sœur et moi avons échangé un regard. « Nous ne parlons pas de ça », ai-je dit. « Je pense que c'est ce type bizarre qui vit dans la grande maison jaune, au coin de la rue », dit Holden. « Monsieur Towns ?» demanda ma sœur. « Pas du tout, il est vraiment gentil. » Holden haussa les épaules. « Ce doit être un tueur psychopathe, alors ?» Nola se crispa. « On n'en parle pas, » ai-je répété. « Allons dans ma chambre et jouons à la Nintendo. » Nous avons passé les heures suivantes à jouer, à manger du pop-corn et à regarder des films.
une soirée pyjama typique, mais je voyais bien que Holden commençait à s'impatienter. Après que mes parents nous ont souhaité une bonne nuit, ont fermé les stores et sont allés se coucher, Holden s'est levé de son pouf et s'est approché de Nola et moi, assise sur mon lit. « Tu as déjà essayé de regarder ?» a-t-il demandé. « C'est bientôt l'heure. » Comme lors de la plupart des soirées pyjama, nous avions commodément ignoré toute suggestion d'heure de coucher. J'ai été choquée de voir qu'il avait raison. Il était presque 3 heures du matin. J'ai soupiré. On ne... Tu sais, je ne peux même pas essayer de regarder parce que mon père ferme les stores tous les soirs et cache la clé. A-t-il continué en m'ignorant. Notre père aussi, dit Nola. Non, ce n'est pas vrai. Il ne le fait pas. Tu l'as vu le faire, ai-je dit un peu plus vivement que je ne voulais le laisser paraître. Holden sourit. Ton père verrouille les stores, oui, mais il ne cache pas la clé. Il la garde sur son porte-clé normal. Et alors ? Ai-je demandé, inquiète de savoir ce qu'il allait dire ensuite. Parce que j'avais remarqué que mon père ne prenait plus la peine de cacher la clé après toutes ces années. Parce qu'il savait que nous prenions cela au sérieux. Alors, après que votre père a fermé à clé, mais avant que vos parents ne se couchent, je suis allée à la salle de bain. En chemin, j'ai peut-être jeté un coup d'œil dans leur chambre, et j'ai peut-être vu le trousseau de clés de votre père sur sa table de nuit, et je suis peut-être allée emprunter la clé des stores. Nola et moi nous sommes regardés fixement, et son sourire n'a fait que s'accentuer. « Tu mens, » ai-je dit. Holden a haussé les épaules. « Tu peux vérifier si tu veux. Il suffit d'ouvrir la porte de vos parents et de regarder. Vous verrez son trousseau de clés juste là sur la table de nuit. » « Restez ici, » leur ai-je dit à tous les deux. « Ne bougez pas d'un poil. » Je me suis précipitée vers la chambre de mes parents, mais j'ai hésité devant la porte. Si Holden ne mentait pas, mon père serait en colère. Plus qu'en colère. J'avais peur en y pensant. Mais j'avais encore plus peur d'une fenêtre ouverte avec le siffleur juste à l'extérieur. J'ai ouvert la porte d'à peine 1 centimètre et j'ai regardé à l'intérieur, mais il faisait trop sombre pour voir. J'ai pris une grande inspiration et je suis entrée dans la pièce. Après 2 pas dans l'obscurité, je me suis figée. Le sifflement a commencé. Je l'entendais clairement, depuis la chambre de mes parents. Je ne m'en étais jamais rendu compte, mais ils avaient dû entendre ce bruit tous les soirs depuis que nous avions emménagé dans la maison. Ils ne nous l'ont jamais dit. Je ne pense pas que j'aurais pu dormir pendant tout ce temps. Je suis restée là, à écouter le sifflement se rapprocher, ne sachant pas si je devais allumer une lumière ou appeler mon père. Des sons doux provenant du salon m'ont ramenée à la réalité. J'ai crié « Nola !» et je suis sortie en courant de la chambre de mes parents. Holden et Nola se tenaient près de la porte d'entrée, à côté d'une fenêtre. Holden ne mentait pas. Je le voyais tripoter la serrure d'un des stores. J'ai entendu un déclic. Il avait bien la clé. Holden a laissé échapper un petit rire. Nola se tenait juste à côté de lui, recroquevillée, effrayée, mais un peu curieuse. Le sifflement était maintenant juste à l'extérieur de notre maison. Je crois que j'ai fait un bruit, que j'ai crié. Je ne me souviens plus. Le temps était figé, les aiguilles de l'horloge clouées au visage. Mais je me suis mise à bouger. Je ne suis pas rapide. Je n'ai jamais été athlétique. Pourtant, en un instant, j'ai comblé l'espace qui me séparait de Nola. Mes yeux étaient rivés sur elle, mais j'ai entendu Holden baisser complètement le store pour qu'il puisse s'ouvrir. J'ai entendu le claquement du store qui commençait à se relever, et j'ai entendu le sifflement juste de l'autre côté de la fenêtre. Mais j'ai entouré Nola de mes bras, et je nous ai tournés pour qu'elle soit face à la fenêtre. En même temps, j'ai fermé les yeux. Le store s'est ouvert d'un coup sec. Le sifflement s'est arrêté. J'ai senti Nola trembler dans mes bras. « Ne regarde pas, d'accord ?» je lui ai dit. « Ne te retourne pas. » Nous étions placés de façon à ce qu'elle soit tournée vers le couloir et que je sois face à la fenêtre. Mes yeux étaient toujours fermés. J'ai senti qu'elle me faisait un signe de tête dans l'épaule. J'ai tendu le bras qui ne tenait pas Nola et j'ai essayé de toucher Holden. Ma main a frôlé son bras. Il tremblait encore plus que Nola. « Holden ?» demandai-je. Silence. Les yeux toujours fermés, j'ai cherché la fenêtre à tâtons avec précaution. La vitre était froide contre le bout de mes doigts, plus froide qu'elle n'aurait dû l'être à cette époque de l'année. J'ai remonté la main le long de la fenêtre, cherchant la ficelle du store. Plus j'avançais, plus la vitre se réchauffait et un léger bourdonnement se répercutait sur le bout de mes doigts. J'ai essayé de ne pas penser à ce qui pouvait se trouver de l'autre côté de la fenêtre. Finalement, j'ai touché la ficelle et j'ai tiré sur les stores pour les fermer. J'ai ouvert les yeux. Dans la faible lumière qui s'échappait de la cuisine, je pouvais distinguer Holden, pâle et petit, qui fixait la fenêtre maintenant fermée. « Holden ?» j'ai demandé à nouveau. Il s'est tourné vers moi et a crié.
Tout s'est mis à bouger. Les lumières se sont allumées dans l'entrée, puis dans le salon. Les pas de mes parents résonnèrent sur le parquet. Je ne me suis pas retournée pour les regarder. Mes yeux étaient rivés sur Holden. Il était pâle. Il s'était mordu la lèvre si fort qu'une fine ligne de sang rouge vif coulait le long de son menton et il s'était mouillé. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a demandé mon père derrière moi. J'ai réussi à me détourner de Holden et à me retourner. Il a regardé. Je n'avais jamais vu mon père effrayé auparavant, mais je l'ai vu cette nuit-là, à ce moment-là. Une vieille et vilaine terreur cousue sur son visage. La peur d'un parent. « Juste Holden ?» m'a-t-il dit. J'ai fait oui de la tête. Mon père a lâché une bouffée d'air. Il avait l'air tellement soulagé que je m'attendais presque à ce qu'il applaudisse. Mais il s'est ensuite tourné vers Holden et son visage a changé. Je me suis demandé s'il se sentait mal de se sentir bien parce que Holden était le seul à avoir regardé. On a frappé à la porte. Nous nous sommes tous figés. Holden a gémi. « Ne répondez pas », a dit ma mère. Elle se tenait sur le seuil de l'entrée. J'avais toujours pensé qu'elle était sceptique et qu'elle se contentait d'écouter mon père à propos des fenêtres et du siffleur, mais cette nuit-là, nous étions tous croyants. J'ai remarqué que mes deux parents tenaient des battes de baseball qu'ils avaient dû prendre dans leur chambre. On frappa à nouveau, un peu plus fort cette fois. « S'il te plaît, n'ouvre pas la porte », chuchota Holden. Mon père s'est approché de lui et l'a serré dans ses bras. « Nous ne le ferons pas », promit mon père qui tenait toujours sa batte. « Rien n'entrera ici ce soir ». Cette fois, les coups étaient assez forts pour faire trembler la porte. Holden a de nouveau crié et Nola a serré ses bras autour de mon cou. Ma mère s'est approchée et s'est agenouillée à côté de nous, nous serrant l'une contre l'autre, ma sœur et moi. « Appelle la police !» a chuchoté ma mère à mon père. Les coups se sont arrêtés instantanément. Mon père nous a regardés par-dessus son épaule. « Vous pensez que... » Il a été interrompu par des coups frénétiques qui se sont transformés en un tapotement poli. « Police » a-t-on entendu de l'autre côté de la porte. La voix de l'extérieur ressemblait exactement à celle de ma mère, comme un perroquet qui lui répétait les mots. « Police ! Appelle la police ! La police ! Police !» Ma mère nous a rapprochés. « Police ! Police ! Police ! Police !» Je l'ai entendu murmurer. « Arrêtez, s'il vous plaît !» « Je ne pense pas qu'il soit utile de les appeler. Comment saurons-nous que ce sont eux qui frappent à la porte ? On n'a aucun moyen de le vérifier en toute sécurité. » Les coups sont revenus plus forts qu'avant. La porte a tremblé. Puis elle s'est arrêtée. Après un long moment, j'ai de nouveau entendu des coups, mais ils venaient de la porte de derrière. Nous nous sommes tournés tous ensemble vers la porte arrière, mais les coups sont immédiatement revenus à la porte d'entrée. De l'avant à l'arrière, de l'arrière à l'avant, fort puis silencieux, puis à nouveau fort. Soudain, le son provenait des deux portes à la fois, de grands coups lourds comme une masse. Ensuite, quelque chose a commencé à frapper contre toutes les fenêtres de la maison, puis contre les murs. C'était comme si nous vivions à l'intérieur d'un tambour, avec une douzaine de personnes qui essayaient de jouer en même temps. Ou bien nous étions une tortue et quelque chose essayait de nous faire sortir de notre carapace. « Stop !» hurla Holden. Les coups se sont tus. « Je ne dirai rien. Je promets de ne dire à personne ce que j'ai vu. Partez, s'il vous plaît !» dit Holden en fixant la porte. Nous avons attendu près d'une minute. Puis nous l'avons entendu. Un doux tap-tap-tap venant de la fenêtre par laquelle Holden avait regardé plus tôt. Holden s'est mis à pleurer, à sangloter comme un prisonnier qui voit la construction d'une potence devant sa cellule. Mon père l'a pris dans ses bras, lui a brossé les cheveux mais ne lui a jamais menti, ne lui a jamais dit que tout irait bien. Le tapotement à la fenêtre s'est poursuivi pendant le reste de la nuit. Nous nous sommes blottis les uns contre les autres dans le salon pendant je ne sais combien de temps. Finalement, ma mère a essayé de nous emmener dans ma chambre, tandis que mon père restait pour surveiller la porte. Mais dès que nous sommes entrés dans ma chambre, les coups sont revenus, si forts qu'il était impossible de les ignorer. J'avais peur que la porte ne puisse pas le supporter. Nous sommes retournés dans le salon, et les coups ont cessé. Il ne restait plus que le tapotement sur la fenêtre. Aucun de nous n'a dormi cette nuit-là. Les coups ont cessé vers 7 heures du matin, heure à laquelle le soleil se lève ici. Nous avons attendu encore 2 heures avant que mon père n'ouvre les stores d'une fenêtre. Il nous a d'abord fait retourner dans la chambre de mes parents.
Je l'ai entendu ouvrir la porte, puis revenir. Il nous a dit « C'est bon, c'est fait !» Les parents de Holden sont revenus vers l'heure du déjeuner. Mon père et ma mère ont accompagné Holden jusqu'à sa maison, et ils sont tous restés à l'intérieur pendant un bon moment. Nola et moi avons regardé par la fenêtre. Elle est restée près de moi toute la journée, à mes côtés, me tenant parfois la main. Lorsque mes parents sont revenus, ils avaient l'air sombres, mais ils n'ont pas voulu nous dire ce qu'ils avaient dit à la famille de Holden. Comme c'était un dimanche, nous avons passé la journée ensemble, commandé des pizzas et regardé des films. Cette nuit-là, tout le monde a dormi dans ma chambre. Nola et ma mère dans le lit, avec moi, mon père dans un fauteuil qu'il avait tiré. On n'a pas frappé cette nuit-là, ni aucune autre depuis. Nous n'avons pas beaucoup vu Holden ni ses parents pendant le reste de la semaine, mais jeudi, un camion de déménagement se trouvait dans leur allée. Nola et moi les avons regardés faire leur carton tout l'après-midi après l'école. Ce qui me reste le plus en mémoire, c'est l'air fatigué de Holden et de ses parents. Ils avaient tous les trois la même pâleur, des bouches sinistres et des yeux sans lumière. Même de l'autre côté de la rue, je pouvais dire que quelque chose n'allait pas du tout. Holden et sa famille ont disparu avant le coucher du soleil. Je me souviens de ce que le comité d'accueil initial a dit à mes parents lorsque nous avons emménagé. Tous ceux qui regardent le siffleur ne meurent pas. Mais même ceux qui vivent voient la lumière s'éteindre en eux et le reste de leur vie est plein de malheurs. Un million de petites tragédies. Je pense que les parents de Holden ont dû regarder, soit pour le réconforter s'ils n'y croyaient pas, soit pour partager le fardeau s'ils y croyaient. Certains jours, je regarde Nola, heureuse, jeune et vivante, et je me demande si j'avais été plus lente, si elle avait regardé par la fenêtre cette nuit-là, aurais-je regardé moi aussi? Pour la réconforter? Pour partager ce fardeau? Je suis heureuse de ne pas avoir à le découvrir. Nous vivons toujours dans cette maison, dans ce quartier. Nous entendons toujours notre siffleur passer devant nous tous les soirs. Les bénédictions, la chance, les bonnes choses ici sont trop belles pour partir. Mais nous sommes prudents. Nous ne recevons plus d'amis pour passer la nuit ici. Et mon père cache très très bien la clé des stores. Non pas que j'ai cherché. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de chercher.